Bonjour à tous et bienvenue sur CBBA. Dans cette vidéo, nous allons aborder les dossiers de CAPES de mathématiques, session 2018. Pion pour thème, la géométrie. Je vous propose donc les deux dossiers de CAPES de mathématiques, page 1 et page 7. On commence par le dossier CAPES de mathématiques, page 1. Voici l'énoncé. On considère un trapèze rectangle ABCD de base AD et BC. Les longueurs des segments AD et BC sont fixes et respectivement notées L et L'. E est le point d'intersection des segments AC et BD. H est le projeté orthogonal de E sur la droite AB. Lucas affirme, en rapprochant les points A et B, je peux diminuer la distance EH. A-t-il raison? Les réponses de trois élèves de seconde. Élève 1. À l'aide d'un logiciel de géométrie, j'ai vu que le point E reste à la même hauteur, mais je ne sais pas le trouver. Donc Lucas aurait peut-être tort. Élève 2. J'ai utilisé le théorème de Thalès, EH parallèle à BC, donc AH sur AB est égal à EH sur BC. Si la longueur AB diminue, alors AH diminue, et la distance EH aussi, puisque BC est fixe. Lucas a raison. Élève 3. Dans le repère A, AB, AD, la droite AC a pour équation y est égal à L' fois x. La droite BD a pour équation y est égal à 1 moins x. J'ai résolu l'équation L' x est égal à 1 moins x. J'en déduis les coordonnées du point E. 1 sur 1 plus L', L' sur 1 plus L'. Donc le point E est fixe et Lucas attend. Le travail à exposer devant le jury. 1. Analyser les réponses de ces trois élèves en mettant en évidence leur réussite et leur éventuelle erreur. Vous préciserez en particulier les aides qui pourraient leur être apportées. 2. Présentez une correction de l'exercice tel que vous l'exposeriez devant une classe de seconde. 3. Proposez deux exercices, un au niveau du lycée et un au niveau du collège, sur le thème géométrie plane, permettant notamment de développer la compétence cherchée. Alors, analyse didactique du dossier, donc toujours le même tableau, on nomme les élèves, leur type de production, les compétences validées, les notions utilisées correctement, les erreurs commises et l'aide qu'on peut apporter à l'élève. Alors, premier élève, donc là il utilise un logiciel de géométrie, donc, type de production, donc logiciel de géométrie dynamique, les compétences validées cherchées, modéliser, représenter. Donc il a tracé la figure et ensuite il a vu que le point E reste à la même hauteur mais il ne sait pas le prouver. Donc il a bien utilisé le logiciel pour tracer la figure. Par contre, il ne sait pas prouver la conjecture qu'il a énoncée. Pour l'aider, on pourrait lui dire utiliser les théorèmes de géométrie connus, par exemple théorème de Thalès. En remarquant par exemple que deux droites parallèles dans un triangle. Deux droites parallèles dans un triangle, ici c'est la configuration de Thalès. Deuxième élève, donc il a fait une démonstration. Il a utilisé le théorème de Thalès. Donc ici on peut valider les compétences chercher, raisonner, communiquer. Par contre, il ne fait que des suppositions sur l'évolution de la longueur EH. Parce qu'il dit que AB diminue, donc AH diminue. Donc ici, EH va diminuer parce que BC est fixe. Bon, ce n'est pas vrai. On verra dans la suite que EH en fait est une distance fixe. On pourrait l'aider en indiquant qu'il faudrait calculer la longueur EH en fonction de L et L'. Donc le théorème de Thalès, on pourrait l'utiliser pour résoudre le problème, mais on devrait l'utiliser deux fois. L'élève 3, il a fait une démonstration, il a voulu passer par la géométrie analytique, donc chercher, calculer, raisonner et communiquer. Sauf que ici, il a pris un repère qui varie dans le temps, parce qu'on va faire varier AB. Donc ici, le
le vecteur AB ici va être variable. Donc il a pris une valeur particulière de L, alors on pourrait lui demander d'écrire les formules en fonction de L, dont la valeur n'est pas connue, normalement. Et le choix de repère n'est pas pertinent, A et B vont varier dans le temps. Alors plutôt, B va varier dans le temps. Ici on pourrait utiliser le repère A, AI, AJ, tel que AB est égal à B, AI, et AD est égal à L, AJ. Bien entendu, B va varier. Alors, correction de l'exercice, on va tracer d'abord une figure sur GeoGebra et valider la conjecture que Lucas a tort et que EH donc est une distance fixe. Alors, on ouvre GeoGebra, on va tracer la figure, donc A de coordonnées 0, 0, B, alors B il faudra mettre un curseur, donc on va mettre un curseur ici, curseur, donc on va mettre B, un nombre entre 0 et 10, avec un incrément de 0,01. Ok. On va mettre B, coordonnées B0. Voilà. Comme ça, on va pouvoir varier B. Alors, L, notre curseur. On va mettre L, ici, 0, 10, avec un incrément de 0,01. Ok. Donc ici, D aura pour coordonnées 0, L. Voilà. Et ici, C, on va remettre un curseur L', curseur L', avec ici intervalle 0, 10, 0, 0, 1. OK. Et donc C aura pour coordonnées B, L'. Segment AD, segment AB, segment CB, segment DC pour tracer le trapèze rectangle. Le segment DB, segment CA, et on veut l'intersection de ces deux segments. Donc E, c'est l'intersection de KJ, les droites K et J, droite AC et BD, et H, donc aura pour abscisse X de E et 0. Donc ça va être le projeteur orthogonal de E sur le segment AB. Alors, on va afficher GeoGebra. Voilà. Si on déplace, donc on va laisser L 3 et L', on va le mettre à 5. On va dire 6. EH, ici, EH, ça va être le segment M, ici on a 2, et donc, E, bouger B, vous voyez, M, cette valeur-là ne bougera pas, et reste donc fixe. Donc la conjecture ici qu'on peut émettre, c'est EH est une valeur fixe, elle ne bougera pas en fonction de B. Et ça ne bouge pas en fonction de B. Donc, conjecture, la distance EH reste fixe, quand on change, la longueur AB. Alors, deux méthodes. Première méthode, on va utiliser le théorème de Thalès, comme l'élève 2. Deuxième méthode, on va utiliser la géométrie analytique pour, donc, en déduire les coordonnées de E et coordonnées de H et calculer la distance E. Alors, théorème de Thalès. Donc, ici, dans le triangle, on va commencer par le triangle BAD. On sait qu'il est rectangle en A. Dans le triangle BAD rectangle en A, on a AD parallèle à EH, DE, B aligné
dans cet ordre. A, H, B, aligné dans cet ordre. Et, bien entendu, AD est égal à M. D'après le théorème de Thalès, ici, on a BH sur BA est égal à EH sur AD. EH sur AD. Ainsi, on obtient EH est égal à BH fois AD sur BA. Donc ça c'est 1. Ensuite, dans le triangle, donc là on va utiliser le triangle ABC, rectangle en B, on a EH parallèle à CB, A, H et B sont alignés dans cet ordre, A, E et C sont alignés dans cet ordre, et bien entendu BC est égal à L. D'après le théorème de Thalès, donc d'après le théorème de Thalès, AH sur AB est égal à EH sur CB. On obtient alors EH est égal à donc AH fois CB sur AB. Donc 2. On a EH est égal à BH fois AD sur BA et EH est égal à AH sur fois CB sur AB. Donc ici on va pouvoir faire l'égalité des deux. Donc 1 égale 2. On obtient donc BH fois AD sur AB est égal à AH fois CB sur AB. Donc ici on peut simplifier par AB, simplifiant bien entendu par AB à gauche et à droite. Ici BH fois AD, donc c'est L fois BH égale à ici L' fois AH. Or AH ici ça va être L' AB moins BH. Donc ici, on obtient L plus L' BH égale à L' AB. Donc ici, BH sur AB, eh bien ça va être égal à L' sur L plus L'. Ainsi, on obtient EH. EH est égal à BH fois AD sur BA. Donc ici, BH fois AD sur BA, donc AB. AD c'est L. BH c'est L' sur L plus L'. On voit que EH est en fonction de L et L'. Donc L et L' étant fixes, bien la longueur EH est fixe. On peut faire la même chose ici si on veut. AH sur AB. Donc AH sur AB. Donc ici, on peut prendre ici L c'est AB moins AH égale à L' AH. Donc ici, on aura LAB égale à L' plus L fois AH. Donc ici, AH sur AB. Eh bien, c'est égal à L sur L' plus L. Et ici, on va avoir EH. C'est AH fois CB sur AB. L fois L' sur L plus L'. Donc voilà, EH peut s'écrire, on peut l'obtenir de deux manières différentes. Mais on a toujours la même écriture en fonction de L et L'. Donc ici, EH. Et en fonction de L et L', donc EH est fixe et donc Lucas attend. Alors maintenant, deuxième avec la géométrie analytique, on va prendre
la figure. Alors ici, soit i tel que a b est égal à b fois ai, et j tel que aj ad est égal à l fois aj. Donc ici, a aura pour coordonnée 0, 0, b aura pour coordonnée b0, c aura pour coordonnée b l', d aura pour coordonnée 0, l, et on va trouver les coordonnées de e et h, c'est x, donc x, e, 0. Donc on veut calculer les coordonnées x, e, y, e de e. Donc pour cela, on va donner une équation cartésienne de AC. Donc ici, y est égal à, donc ici, l' sur b, fois, donc fois x, plus 0, parce que a, c'est 0, 0. Et ici, bd, donc y est égal à, donc, yd moins yb sur xd moins xb. Donc xd, ici on aura l moins 0 et 0 moins b. X plus, ici on aura l. Donc on aurait moins l, donc moins l sur b. X plus L. Intersection des deux droites. Ici AC inter BD. Il y a L' sur BX est égal à moins L sur BX plus L. L' plus L sur B fois X est égal à L. X est égal à L fois B sur L prime plus L. Donc ici on obtient XE. Maintenant YE, ben, on remplace ici par XE, parce que E appartient à, par exemple, à AC. Donc LB sur L prime plus L fois, donc, fois L prime sur B. L prime sur B. Les B vont disparaître. On va trouver L, L' sur L plus L'. Conclusion, E aura pour coordonnée LB sur L plus L'. L, L' sur L plus L'. Ainsi, E va rester sur la même ordonnée. Ici, j'ai vu que le point E reste à la même hauteur, donc ça valide la conjecture de l'élève 1. Et donc H aura pour coordonnée LB sur L plus L prime, 0. Donc la distance, ici, distance EH, eh bien ça va être racine de XH moins XE, LB sur L plus L prime moins LB sur L plus L prime. Le paramètre B va disparaître au carré, donc là ça va faire 0. Plus L, L' sur L plus L' moins 0 au carré. Donc là, ça va faire 0, ça disparaît. L, L' sur L plus L' au carré, racine carrée. Le carré et la racine carrée vont disparaître. On va trouver donc L, L' sur L plus L'. Donc EH est égal à L, L' sur L plus L', et ce qui valide donc la première méthode, le résultat qu'on veut à la première méthode. Et donc, H, EH, reste fixe. Dossier de CAPES de mathématiques 2018, page 7, géométrie dans l'espace. L'exercice. ABCD est un tétraèdre. I est le milieu du segment AD, et J est le point de la face BCD, défini par BJ, vecteur BJ, est égal à 1 demi du vecteur BC, plus 1 tiers du vecteur BD. 1. On se place dans le repère A, AB, AC, AD.
Déterminer les coordonnées du point K, intersection de la droite IJ et du plan ABC. 2. Sans utiliser de repères, donner construction du point K. Les réponses de deux élèves de terminale scientifique à la question 1. Élève 1. On trace les droites IJ et BC. Elles sont séquentes en K. Les coordonnées du point I sont 0, 0, 1/2. Celles du point J sont 1/6, 1/2, 1/3. On trouve une représentation paramétrique de la droite IJ. X est égal à T, Y est égal à 3T et Z est égal à 1/2 moins T. T est réel. Ensuite, je ne sais pas quoi faire. Élève 2. Avec un logiciel de géométrie dynamique, je vois que le point K est en dehors du triangle ABC. Je connais le point L, intersection de DJ et BC. Le point K est aligné avec les points A et L, mais je ne sais pas déterminer les coordonnées de L, et le logiciel ne fournit pas ces coordonnées dans le bon recul. Le travail exposé devant le jury. 1. Analyser les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leur réussite et leur erreur éventuelle. Vous préciserez les conseils que vous pourriez leur apporter. 2. Présenter une correction de l'exercice tel que vous l'exposeriez devant une classe de terminale scientifique. 3. Proposer deux exercices sur le thème géométrie dans l'espace, un au niveau du collège et un au niveau du lycée, permettant notamment de développer les compétences représentées et raisonner. Analyse didactique du dossier. Donc deux élèves, un élève qui donne une démonstration pour résoudre la question 1, et l'élève 2 donne son expérience sur un logiciel de géométrie dynamique, bien entendu. Cela nous permettra de répondre à la question 2, mais pas à la question 1. Alors l'élève 1 dit qu'on trace les droites IJ et BC, elles sont séquentes en K. Sauf qu'ici, il y a une erreur de perspective. Si on trace IJ et BC, IJ et BC ne vont pas se rencontrer. Ici, erreur de perspective, IJ et BC ne se rencontreront pas en un point K. Et ce n'est pas le point K que l'on veut déterminer, de toute façon. Les coordonnées du point I sont 0, 0, 1/2, I. Celles du point J sont 1/6, 1/2, 1/3. Ça, c'est OK. On trouve une représentation paramétrique de la droite IJ, donc là il donne une bonne représentation paramétrique de la droite IJ, mais après il ne sait pas quoi faire. Compétences qu'on peut valider, raisonner, communiquer et chercher. Les notions utilisées, calcul de coordonnées, équation paramétrique de la droite IJ. Erreur commise, le point K n'est pas l'intersection des droites IJ et BC, les droites IJ et BC ne sont pas séquentes. Il faudrait déterminer les coordonnées du point d'intersection de IJ avec le plan ABC, avec par exemple déterminer une équation cartésienne du plan ABC. Donc, avec cette équation cartésienne, on va pouvoir trouver les coordonnées du point K avec donc aussi l'équation, la représentation paramétrique de la droite IJ. 2. L'élève qui a fait du logiciel géométrie dynamique. Donc, on peut valider, chercher, représenter et raisonner. Il nous donne des éléments intéressants pour la construction du point K, pour la question 2, mais il a fait un mauvais choix de repère. Il aurait pu s'inspirer des méthodes utilisées par le premier élève pour aboutir à quelque chose. Donc voilà pour l'analyse didactique. Maintenant, on va passer à la correction de l'exercice. En s'inspirant, bien entendu, de ce qu'a fait l'élève 1. Donc ici avec la figure, on a donc un repère A, AB, AC, AD. On sait que I est milieu de AD, I milieu de AD. Donc les coordonnées ici, on sait que A coordonnée 0, 0, 0, D de coordonnée 0, 0, 1. Donc I aura pour coordonnée. Donc, I aura pour coordonnée 0, 0, 1/2. Ensuite, donc ici, on va exprimer AJ en fonction de AB et AC et AD. Or, on sait que AJ, c'est AB plus BJ.
BJ, c'est 1 demi de BC plus 1 tiers de BD. AB plus 1 demi de BC plus 1 tiers de BD. On va décomposer BC en fonction de AB, AC, AD. AB plus 1 demi de, donc relation de Chasle, BA plus AC, plus 1 tiers BC, BA plus AD. AB moins 1 demi de AB. Ici, 1 demi de BA, c'est moins 1 demi de AB. Plus 1 demi de AC. Moins 1 tiers de AB. Plus 1 tiers de AD. Donc ici, on a 1. 1 moins 1 demi moins 1 tiers. On va trouver 1 sixième de AB. 1 demi de AC. Et 1 tiers de AD. D'où J aura pour coordonnées 1 sixième, 1 demi, 1 tiers. Donc c'est ce qu'a trouvé l'élève. Ici, l'élève 1 sixième, 1 demi, 1 tiers. Donc IJ a pour vecteur, donc ici, 1 sixième moins 0, 1 demi moins 0, 1 tiers moins 1 demi. 1 sixième moins 0, 1 demi moins 0, 1 tiers moins 1 demi, 1 tiers moins 1 demi, donc 2 sixièmes moins 3 sixièmes, donc moins 1 sixième. IJ aura pour coordonnées 1 sixième, 1 demi, moins 1 sixième. Alors pour revenir donc ici à l'équation, à la représentation paramétrique de la droite IJ, en fait, il a pris un vecteur collinaire à IJ, donc là ici il a multiplié par 6, il a multiplié par 6, donc 6 IJ, c'est égal à, donc 1, 3 et moins 1. Donc c'est pour ça qu'il va retrouver ici, donc si M appartient à la droite IJ, il va exister T appartenant à R, tel que, ici, M, IM est égal à I, T fois IJ. T fois IJ. T appartenant à R. Si on aurait X moins 0 est égal à T. Y moins 0 est égal à 3T. Z moins 1 demi est égal à moins T. Donc, X est égal à T. Y est égal à 3T. Z est égal à moins T plus 1 demi. T appartenant à R. Donc voici donc la représentation paramétrique de la droite IJ. Alors maintenant, équation cartésienne de AB, C, avec donc A pour coordonnées 0, 0, 0, B pour coordonnées 1, 0, 0, C a pour coordonnées 0, 1, 0. On peut voir ici que ABC représente le sol. Donc ici, on aurait un plan d'équation cartésienne Z égale à 0. Bien entendu, il faudrait le montrer. Donc pour cela, on va noter N, coordonnées A et C, tel que N, produit scalaire avec AB égale à 0, et N scalaire AC est égal à 0, pour que ce soit un vecteur normal du plan. Donc ici, AB a pour coordonnées 1, 0, 0. AC a pour coordonnées, si on est bien, donc 1, 0, 0. AC a pour coordonnées 0, 1, 0. Donc N scalaire AB égale à 0. Donc c'est seulement si A est égal à 0, N scalaire AC est égal à 0, c'est seulement si B est égal à 0. Donc ici, N
c'est 0, 0, c. On peut prendre c est égal à 1. Donc en fait, tous les vecteurs colinéaires à n sont normal au plan, donc en particulier 0, 0, 1 est normal au plan ABC. A, x plus b, y plus c, z plus d égale à 0. A est égal à 0. B est égal à 0, donc il va avoir z plus d égale à 0. A appartenant à au plan ABC, donc ici 0, donc ici z égale à 0. 0 plus d est égal à 0, donc d va être égal à 0. D est égal à 0, donc z égale à 0. Ça c'est l'équation cartésienne de ABC. Donc maintenant on va reprendre donc représentation paramétrique de la droite IJ. On a dit que x est égal à t, y est égal à 3t, z est égal à moins t plus 1 demi. Et équation cartésienne de ABC, z égale à 0. Ainsi, k appartient à IJ inter ABC. Eh bien, z égale à 0. Donc ça veut dire que moins t plus 1 demi égale à 0. T, moins t est égal à moins 1 demi. Et donc t va être égal à 1 demi. Donc k aura pour coordonnées 1 demi, 3 demi et 0. K aura pour coordonnées 1 demi, 3 demi et 0. Donc voici les coordonnées de K dans le repère A, AB, AC et AD. Alors question 2. Donc ici on va tracer la figure. Donc A de coordonnées. Alors on va prendre la base du tétraèdre, donc des points au hasard sur le plan Z est égal à 0. 4, 1, 0. B, on va le prendre moins 1, moins 3, 0. Et C, on va le prendre moins 2, 2 et 0. Voilà. Et D, on va le prendre sur l'axe Z, 0, 0 et 3. Donc on va tracer la pyramide, donc le tétraèdre A, B, C et D. Voilà. Ensuite, on va placer les points I et J. Alors I, c'est le milieu du segment AD. Donc ici, on peut taper I, milieu, centre de AD, qui va se placer ici. Et J, c'est tel que BJ est égal à 1 demi de BC plus 1 tiers de BD. Donc ici on va tracer 1 demi de BC, donc on va noter BX, donc BX est égal à 1 demi de BC, et BY est égal à 1 tiers de BD. Donc on va noter donc X lieu centre de BC. Alors, segment BD, c'est F, donc sphère, B, et 1 tiers, fois F. Voilà, on aura la sphère. Alors, l'intersection de la sphère, on l'appelait Y, intersection de la sphère, B, et F. Voilà, donc là, on aura Y, Y, il est, on va enlever la sphère. Voilà. Donc on aura le vecteur U, vecteur BX, et V, le vecteur B, donc vecteur BY. Voilà. Or, ce qu'on veut, nous, c'est 1 demi de BC plus 1 tiers de BD. Donc là, on va faire plus V.
Voilà, u plus v. Alors ici on a un vecteur w qui part de l'origine. Donc, pour avoir extrémité b, ici on va prendre un représentant. Donc, représentant. Donc b et w. Voilà. Et donc là on a b' qu'on va renommer en j. Et on voit que bj est égal à 1 demi de bc et plus 1 tiers de bd. Donc i et j appartient à la face bcd. Alors maintenant on veut tracer k, l'intersection du plan abc avec la droite ij. Alors il faut remarquer déjà que A, D, J et I sont coplanaires. A, I, D, J sont coplanaires car A, D, J forme un plan et I appartient à A, D. On sait que J est inclus dans la face B, C, D. Alors si on trace la droite, D, J, on peut faire l'intersection. Donc cette droite intersecte le segment, donc l'arête BC, en un point qu'on va appeler U. Donc ici, intersection G segment BC. Voilà, donc là on aura le point ici, le point, et là, le point U. Et donc si on trace la droite AU et IJ, AU et IJ, AU et IJ, ici, on aura un point d'intersection, donc droite AU, IJ, on aura un point d'intersection. Donc la droite IJ intersecte AU en un point, qu'on va nommer donc K. K c'est l'intersection, K est égal à l'intersection de H et I. Voilà. Alors pourquoi cela? Parce que ici on sait que DI est inclus dans la face B DCB et dans la face ADJ, I appartient donc à cette face, donc ces deux faces, donc ADJ et ABC, la droite IJ et la droite AU vont s'intersecter en un point, car IJ est inclus dans A, D, J, et bien entendu, A, U est inclus dans A, B, C. Donc l'intersection K, qui est l'intersection du plan A, B, C, et la droite I, J. Ce qui conclut donc la correction de notre problème.